On a énormément de noms qui circulent. Nous aussi, parce qu'on enquête là-dessus. C'est vraiment la panique à bord. C'est explosif. Si cette liste de noms sort, avec les noms tels qu'ils commencent à circuler, c'est-à-dire les plus grands acteurs, les producteurs de toute génération du cinéma français, c'est la fin du cinéma français tel qu'il est là, la fin du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes n'a plus aucune raison d'être. Le cinéma français va imploser. C'est une liste extraordinaire. Les producteurs paniquent, tout le monde panique. Il y a une communication de crise autour des dirigeants du Festival de Cannes pour tenter, si c'est possible, d'amortir le choc. Ce serait une déflagration avec des noms que tout le monde connaît. On ne sait pas si c'est une affaire commune à tous ou individuelle qui touche les uns les autres. Si ces affaires de MeToo sont avérées, tout le cinéma français est paralysé. Ça touche les plus gros producteurs et les plus grands acteurs. Même les films qui vont sortir là, je ne sais même pas comment ils vont pouvoir être mis à l'écran. C'est vraiment un truc de fou.